Et on est de retour sur Runeterra Inu. Peut-être la fin du scénario de Salent aujourd'hui. Ouais. Bon. Un scénario riche en exploration. Ah oui, mais il était vachement bien quand même. Ah ouais, il y avait un boss qui nous attendait. Alors il me semble qu'on est déjà équipé. On sait pas trop ce que ça va être comme ennemi, mais on a mis ce qui se fait de mieux en matière d'armure. Ouais, on dirait bien. On n'est pas trop loin du boss de toute manière, même si on se prend un méchant petit wipe. Voilà. Gaïa. Saizu. Bon, ça, ça a l'air d'être typiquement un magicien. Hein. Oui. Oui, un costume assez bizarre. Un bâton. On ne s'y trompera pas. Ouh, il fait bien mal en plus. Ouh là là. Oui. Je m'attendais à mieux. Ah oui, il fait quand même bien mal. Hein. Ouh. Les sorts, ça a pas l'air d'être ce qu'il y a de plus utile. Je vais essayer d'attaquer. Par contre, l'œil, il va y avoir clairement deux soigneurs. Ouais. C'est les attaques physiques qu'il faut faire. Oh oui, clairement. À partir du moment où les attaques peuvent retirer 500... Bah, je dirais que mes meilleures attaques en physique, ce serait Sok et Salent. Laissant donc les sortilèges à Leguin et Lolo. Allez, c'est bon. Allez, ça c'est classé.
Ils sont un peu trop généreux en queue de phénix. Après, c'est pas comme si c'était un endroit si abominable que ça. FKDMIS, je reviens. Ok. Il me semble que c'est le dernier éclat que j'ai à insérer là, dans les trous. Encore un boss. J'ai tous mes HP. Bon bah allez, allons-y. Oh, bien laid. Si c'est du physique ou du magique, mais dans le doute, on va se renforcer par rapport à tout. Terrible, hein. Allez, un deuxième tour pour histoire d'être sûr. Comme ça, ça permet de voir de quel élément éventuel il serait. Ça m'aide pas beaucoup. Bon bah, qu'est-ce qu'on fait quand on sait pas l'élément? On balance du sidéral à foison. Ouais. On va faire une attaque physique quand même. Et on va soigner.
Là, on va le rendre aussi fragile que possible. Par contre, je testerais bien la magie de l'eau parce que je sais pas, il est rouge, peut-être que c'est du feu. Sort d'eau, il est clairement craqué. Ouais, bon. S'il se contente de faire ça, ça va. Terminer son élément, on va essayer des trucs, on verra bien. Est-ce que t'as vraiment besoin d'essayer des trucs? Juste pour ouvrir. C'était juste. Ouais, je crois qu'il est mort de toute façon. Je vais pas tout de suite me soigner avec des objets, ça se trouve il y a une jarre. J'ai vu une statue. Par contre, il y a une porte que j'ai pas faite. Ah, très bien. T'as été un peu vite à dépenser ta première orme. J'étais en train de réfléchir sur qui je la mettais.
toute façon, on en trouve pas mal sur les ennemis, donc. Alors, Sultan. Cinq casques. Pour Soc. Casque d'eau, mais il est pas terrible. On l'ignore. Il y a un mec. Oh! Oh ça, je te prédis que c'est Saizu. Donc fais attention, ce mec, c'est l'un des quatre grands. Plus ils sont grands, plus ils tombent de haut. Ouais, va aller dire ça, on va voir si ça a lieu. Ça devrait suffire. C'est vraiment pour être sûr. Allez. Je ne m'attendrai pas à votre venue, dit-il planté devant une porte. Oh la vache, Soc qui provoque absolument tout ce qu'il trouve. Hein. Bon, il a une épée, c'est clairement quelqu'un qui fait des attaques physiques. Et là, il te balance un feu 3. J'ai perdu un point de vie. T'es mort? Non. Et pourtant ça s'appelle tuer. La moindre des choses, ça aurait été de t'écrouler par terre, même si tu n'as perdu qu'un point de vie. C'est vrai, j'aurais pu jouer le jeu, mais non. Ténèbres, c'est pas terrible. Malheureusement, j'ai plus assez de MP pour faire quoi que ce soit. Ok. Ah, je me suis trompé, j'ai fait le multi-cible, tant pis. Je vais essayer des trucs, hein.
attaque physique. Oh, c'est quand même ballsy d'y aller comme ça. Mais là, je cours aucun risque. Hein. Ah, des fois qu'il te sort une compétence qu'il n'utilise que lorsqu'il est sur le point de mourir. Et bah, tant pis, j'assumerai. Ah, de toute façon, il est mort. Ok. J'imagine que c'est Apocalypse et le bouclier le puissant. Je sais plus, c'était puissant ou psycho. Ouais, c'était puissant. Non, psycho. C'est Thalès qui le donne à Sion. Ah, c'est ça. Ah, notre prochaine rencontre. C'est pour le bouclier puissant. Est-ce qu'il est bien? Ah, il est pas mal. Mais bon, on va prioriser l'épée. Faudra pas que j'oublie qu'au bout d'un moment, je dois la donner l'épée. Changer par ici. Oh, ça va, ils sont nuls. Ah oui, mais ça y est, je me rappelle, avec Sion, je voulais passer par là, mais je pouvais pas. Quand j'étais en mode aveugle et que j'avais pas vu le village. D'ailleurs, j'imagine que je vais croiser Sion dans ce même village. Certainement. Y aura-t-il un choix à faire alors? Bien, faut que je donne l'épée comme j'ai fait. Non. Ou alors tu peux faire un choix différent. Hein. Mais est-ce que ça change réellement quelque chose? Ça crée un paradoxe. Non. Parce que t'as dit que si jamais Salent il a l'épée et qu'il peut rentrer, il se fait absorber par le Rudra. Oui. Mais là, c'est toi qui le dirige. Hein. Est-ce que tu as l'intention de perdre? Et puis c'est pas comme s'il se battait contre le Rudra, il me semble que Salmon se bat directement contre Uzen. Hein.
Or là, t'as pas l'intention de perdre contre Uzen, pas vrai? Après, c'est vrai que l'épée, je l'aime bien, je vais peut-être la garder. Le bouclier, je peux pas m'en servir de toute façon. Mais je me demande si Silent va pas choisir à ta place. Ça m'arrangerait, je déteste faire des choix. C'est quoi ce truc? J'ai jamais vu ça en bas. Ouais, on peut pas y accéder de toute façon. Peut-être pour Risa. Ça, par contre, je m'en rappelle. Bouclier. Armure d'eau. Ok, allez, venez maintenant. Avec si on avait fait tellement mal eux. Un petit goût de revanche. J'ai pas autre chose avec Salent. Ouais, pas le choix, hein. Ça, on peut pas y aller comme la dernière fois. Oui, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas confiance. Oh! Un bifrest. C'est vrai que j'avais oublié qu'on était dans l'autre monde. Bah oui. Pourtant, comment l'oublier avec la tronche des monstres? Ouais, c'est vrai. Il n'y en a pas un qui soit. Enfin bon. Tu me diras l'espèce de moule bizarre qui t'ont déglingué là.
faire ici. HP, cette saloperie, quand même. Ouais. Ça me rappelle un petit peu les géants. Des bons gros sacs à PV qui ont strictement rien à foutre sur ton chemin. J'attendrai d'être en ville pour me rééquiper. De toute façon, il y a peut-être des trucs à acheter. Ok. Rien d'autre. Le bar ou l'auberge, pas tout de suite. Enfin, il y a un bâtiment, faut pas y aller maintenant parce que sinon ça déclenche l'arrivée de Sion. Oui. Faire un peu d'argent, bon c'est pas vraiment nécessaire, mais les armures on va les garder par contre. Armure de Yin, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein.
Non, je vais lui laisser pour l'instant. Arbalète de Yang, par contre, oui, clairement. Ce fantôme troll. Ah bah tiens. Laisse pas le choix. Ouais. Mais si j'avais choisi de donner le, enfin de récupérer le bouclier quand j'étais avec Sion, ça aurait influencé ce choix ou pas? Je crois, comme je te l'ai dit, si Samet avait été capable d'affronter, enfin d'entrer dans Shumizen, il aurait peut-être perdu face à Uzen ou face à Rudra ou qu'importe. Et du coup, le combat contre Rudra aurait été altéré, différent. D'accord. Mais là, de toute façon, je pourrais pas rentrer. Me semble pas. Ou alors, tu rentreras peut-être par une autre entrée. Multiple par contre, mais je fais très mal.
c'est ça. Accessoire type foudre. Ouais. Ah, le fameux violoneux Daniel. C'est une armure, ça, il me semble. Ah oui, une robe. Qu'est-ce que je voulais faire, par contre? Ah oui, du coup j'ai un nouveau bouclier. Est-ce que... Ah oui, le bouclier psycho, je peux le mettre. Et il est pas mal. Et ben, on va le prendre, hein. Ça c'est quoi? Une armure de feu. Qui est nulle. Ils sont chiants, leurs animations elles sont longues. Des coffres bleus, ça m'intéresse. C'est vraiment pour pas laisser un coffre. Hein. Nuit d'eau. Oh bah celui-là, je voulais le laisser. Hein. Très bien. Encore du haut or, mais c'est pas vrai. Ah bah oui. Quand même un petit peu de la carotte de se retrouver avec des objets de ce genre dans les coffres à Jade. Espèce d'arbalète pour Salent.
Pas mal. Yang en plus, exactement ce qu'il nous faut par ici. Hein. Ok, bah direction droite. Ah non, ils sont chiants. Je crois que c'est que l'attaque physique, non? Non, ils me font que des attaques physiques. Hein. Metroid. Ouais, c'est ça, on dirait des Metroid. Ah ouais, non, d'accord, la magie ça sert à rien. Ah, ils font toujours aussi mal. Heureusement, ils sont pas très très précis. Attaque ou non, on dirait. Ah, ça me convient. Hein. Oui, oui. Alors, bon, on peut prendre n'importe lequel, on dirait, ouais, c'est bon. C'est bizarre, on n'a pas de choix de parcours dans ce scénario-là. Il y avait le rouge ou le bleu avec Sion. Ouais, mais peut-être parce qu'on est passé par une autre entrée. Ouais. Ouais, on a pris la tour qui était à droite en entrant. J'aurais bien voulu me soigner avant. Vous êtes si jeune. Oh là là. Ça commence très mal. Ah. Tiens, on va utiliser les objets parce que de toute façon. Quoique non. Pour faire bien. Je soigne. Je soigne. Et avec lui, je ressuscite. Voilà. Non, mais sérieusement? Ok, ça va être compliqué. Ouais.
pense pas que la magie se soit bien contre lui. Quand je disais que les ranimes ça servait à rien. Alors on reconsidère? Oui. Mais il me one shot à chaque fois et doucement là. On va commencer à attaquer un peu. Force, on se soigne, on attaque, on se soigne. Ça se trouve c'est scripté, je suis obligé de perdre, c'est ça? Non. Ah bon? Non non non. C'est juste que là t'as peut-être des équipements qui sont qui te rendent résistant à la foudre. Alors que lui, bah, il est plutôt du vent. Ah, c'est du vent qui fait? J'ai l'impression. Je sais pas, attends, je vais essayer un sort de foudre. Après, je sais pas si lui, il est forcément faible face à la foudre. En tout cas, il me semble qu'il balance des sorts de vent. Bien boosté en force, il y a peut-être moyen. Oui, d'un côté c'est logique. Bah non, j'ai une épée de lumière. Donc, ouais, en fait, je sais pas. Sacré pot de vache, le rudra des humains, hein.
J'ai pas l'impression de faire plus de dégâts en augmentant ma force. Je crois que je suis au max. Et comment tu veux survivre à ça, là? Je suis mort là. Waouh. Wow. J'ai même pas te donné la satisfaction, connard. Ah merde. Ah. Cérébru. Ténèbres, ça. J'espère que j'ai raison. Donc là, t'es protégé contre le vent et contre les ténèbres. Ouais. Ah, c'est chiant, c'est qu'il faut que je me retape tout le donjon par contre. Ouais. Tu le regrettes de ne pas avoir sauvegardé avant d'entrer dans le donjon? T'inquiète, c'est une erreur que je vais pas faire deux fois. Présomptueux. Puis on va quand même racheter des objets d'éranime. Après, d'un côté, si je vais garder l'épée de foudre, ça aurait été pas mal. Mais est-ce que ça a résolu le problème? D'ailleurs, je pense à un truc. J'ai pas une épée de foudre à une main. Si, je peux faire ça. Comme ça, je peux mettre un bouclier anti-vent. Je suis encore mieux protégé. Bon, ils vendent pas de ranim. Bon, tant pis.
Je crois que c'était des trucs tout pourris dans les coffres, je peux les zapper. Une armure de feu nul et puis le violon de Daniel. Est-ce que j'ai bien équipé le truc sur Salent? Mais attends, j'ai pas fait les achats là. Qu'est-ce que je fous avec le blues? J'avais autre chose. Ou alors je l'ai trouvé dans le donjon l'autre truc. Il me semble que j'ai trouvé dans le donjon. Ouais. On s'en plaindra pas. Pour moi, ça rallonge pas un combat qui est déjà bien long. Non, faut que je garde ma mana. Il crève quand? Très bien. Je l'avais pas eu ça tout à l'heure. Non, ça je vais le garder. Par contre, ça je peux le mettre maintenant. Est-ce que c'était le même endroit? J'ai un doute, mais il me semble pas avoir trouvé un Magi Plus quand je suis arrivé ici la première fois. C'est comme ce passage au milieu, je l'ai pas fait, je crois, non? Ah oui, d'accord, ok.
avoir quoi qu'il arrive. Ah oui, ok, c'est quoi ton pif? C'est bon à savoir. Ouais, bah je prends très très cher. Hein. Oui. Malheureusement, on est prêt pour le Rudra, mais. Faudrait pas qu'on se fasse swiper avant d'y arriver. Qu'il n'y a que Salent qui utilise des MP, c'est pas un problème parce que juste avant le boss, je mettrai le MP+. Là il y a encore une salle après et après c'est le boss, c'est ça? Je suis au max en MP, non? Ouais, 255, c'est le maximum. Ok. Ouais, ça fait toujours pas mal. Hein. Alors, pour faire bien, on va booster la force avec lui. Avec lui. Donc, diminuer la résistance magique ne sert à rien du tout. Ce que je peux faire, c'est. Je booste la force. Avec lui. Là, un objet pour se soigner. Force c'est bon, esprit défense ça sert à rien du tout. Bon bah il reste plus qu'à attaquer. Hein. Je dirais que mon personnage le plus faible, de toute façon on va voir. Hein. Pour savoir qui va soigner. C'est pas la même, hein.
J'imagine qu'il va y avoir un deuxième boss juste après, non? Je me le demande. Il me semble que Cement n'a pas affronté qui que ce soit d'autre. Ouais, remarque, ça se tient. Enfin, c'est surtout parce que j'ai peut-être pas le meilleur équipement hein, si je dois affronter un autre boss. Si jamais j'en affronte un autre, j'aurais tendance à préférer un boss de type ténèbres, parce que j'ai une défense magique contre les ténèbres. Je pense pas que t'aies grand chose à craindre. De manière. Je pense que la musique, déjà, ça aurait dû te fournir un indice. Tu l'entends toujours en fin de scénario. Allez, salut. Allez, Zou, du balai. Sa vraie forme. Ah bah ouais, c'est fini. L'autre Silent. D'un côté, heureusement qu'il y a le game over, sinon ça aurait été bien court. Bon, et ben, je vais en profiter pour récupérer tous mes sorts pour les mettre sur Risa quand on commencera le scénario de Risa la prochaine fois. Et ben, ouais. On va s'arrêter là du coup. Donc, bah, à la prochaine. Salut. Salut.